Pour la recette de notre moelleux au Nutella, il va nous falloir de la farine, du Nutella et un œuf. La recette est très simple. Donc, dans mon cul de poule, je mets donc mon Nutella. Alors, dans cette recette, vous pouvez faire aussi un moelleux au spéculoos. Et dans ce cas-là, il faudra remplacer donc, le Nutella par la crème de spéculoos. Bon, on essaie de tout mettre, de ne pas gâcher. Voilà. Ensuite, j'y mets donc ma farine. Et je casse un œuf. Voilà. Et là, je vais mélanger pour rendre ma pâte bien lisse. Donc ma pâte est prête. Et là, je vais la répartir dans les deux moules. Donc c'est des moules en inox que j'ai donc beurré et fariné. Donc là, j'ai mis ma pâte dans mes moules que j'ai beurré et fariné. Et là, on est parti pour une cuisson de 8 à 10 minutes. Donc moi, je le mets à 180 parce que mon four, il va jusqu'à 180. Si vous avez un four qui va jusqu'à 200, mettez-le à 200 pendant à peu près 6-8 minutes. Dès que le dessus est pris, il faut le retirer du four. Donc là, c'est parti. Notre moelleux Nutella est cuit. Je viens de le sortir du four, donc là, je vais patienter à peu près une minute avant de passer au démoulage. Alors, on va le démouler. Waouh, c'est hyper chaud. Voilà, ça se démoule assez facilement. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir si l'intérieur est vraiment coulant. Donc là, je prends un couteau et je l'ouvre sur le côté. Voilà, au milieu. Donc voilà, on aperçoit bien le coulant du Nutella. Voilà, c'est un moelleux parfaitement réussi. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je pense que vous l'avez compris, je vais immédiatement passer à la dégustation. Alors, ce moelleux avec une boule de glace vanille, je vous raconte pas. Allez, c'est parti pour la dégustation. Déjà c'est chaud. Vraiment super bon, on sent bien le Nutella. C'est une recette vraiment facile à la portée de tout le monde. Si la vidéo vous a plu, pensez à la partager et prenez soin de votre palais. À bientôt sur Cuisine Rapide pour des recettes encore plus faciles.